tout ça que nous faisons. Et c'est nous fait partie de revendication nous. OK? Et ça a gagné 2 mois depuis l'hôpital a campé parce que les résidents ont revendiqué meilleures conditions de travail et augmentation frais qui allouent avec eux. Maintenant, malheureusement, nous constatons que au lieu que l'État penche sur le problème, nous avons décidé de faire un carnaval. Et nous connaissons qui rôle l'hôpital général joué dans la question de prise en charge des patients, les gens qui sont blessés et dans le carnaval chaque année. Mais c'est dans le cadre de ça, comme c'est dans là où ils ont mis nous, et que nous fermé l'hôpital là, et que nous décidons de faire cette indulgence là. Premièrement, nous faisons cette indulgence et que nous disons nous pas de problème de faire cette indulgence, néanmoins que nous respectons les conditions, nous conditionnons. Comme nous ne pas respecter les conditions, et bien cette indulgence là, nous faisons là. Ça veut dire que là, l'exposition ça qui n'a pas de so, l'exposition ça est assez, nous voulons montrer comme c'est que comment dans l'hôpital là. Par exemple, pas étonnant là, pour venir dans l'hôpital là, pour nous cabane sans matelas. C'est pas un madla en dehors de l'argent, c'est pas un madla qui va chercher un bagage pour ouvrir sur le bout de la madla couché. Ok? Regardez les questions, on a pris la fille à tout qui ça le marie. Il marie avec Phil Sewop, il marie avec Adésif, il marie avec Gant. Ça veut dire que c'est une représentation de l'État en dedans de l'hôpital là. Ok? Et c'est tout ça qu'on a revendiqué. Ok? C'est tout ça qu'on a revendiqué. On a revendiqué comme si que je viens de dire à l'air ou même pour le moment là, il y a un malade, il est venu à l'hôpital là pour qu'on puisse faire soin dans de meilleures conditions. Donc pendant 2 mois, ça y est, l'éducation est ouverte, le carnaval lancé, tout va bien. Mais pourquoi les gens ont une réponse, plus ou moins, sous forme de satisfaction? Pourquoi une réponse? Si tu dis que pas sous forme de satisfaction, non. Pourquoi une réponse du tout? Okay? Nous avons une rencontre avec le docteur Laurie Adrien, qui est responsable, qui est directeur général du ministère de la Santé publique. Qui a constaté pendant 2 mois que les revendications sont là? Beaucoup de gens ne comprennent comment faire. On dirait que le ministère de la Santé publique, pour que c'est eux-mêmes qui sous tutelle et l'hôpital universitaire, pour dire qu'on s'est pendant 2 mois au Chita, pour constater que les revendications sont là. Mais il n'y a pas rien qui fait jusqu'à présent pour répondre aux résidents. C'est pourquoi il y a une raison de faire qui prochaine étape là, c'est continuer à mobiliser, jouer à mobiliser dans l'arrière là. Pour après ça, parfaitement pour le carnaval là. Ça dit ça, son bail a brûlé jusqu'à ce que la grève la levé. Et puis, deuxièmement, dans le jour qui a venu là, on va gagner un arrêt de travail dans tout le monde de l'université. Mais nous avons visé mettre l'indulgence pour. Bonjour. Qui a besoin pour foncer l'indulgence? Pour foncer l'indulgence, on a besoin premièrement pour qu'il courant. Absolument là, sinon on va constater qu'il y a blackout. Deuxièmement, pour foncer l'indulgence, on a besoin de matériel. Actuellement, là, on a revendiqué que l'hôpital a pas de matériel. Pour foncer l'indulgence, il faut que l'espace là, pour que les prépare pour ça, ou bien pour l'espace à nettoyer. Actuellement, on a revendiqué pour installer les bouteilles qui est l'hôpital. Pour foncer l'indulgence, il faut que des moyens. Pour foncer l'indulgence, il n'y a pas de moyens. Nous ne pouvons pas foncer l'indulgence, à ce moment-là, nous allons faire mal, plus mal que bien. Souvenez de l'hôpital là, et que, ok, ou qu'on balle, pas de courant pour monter dans sa opération avant, pas de médicaments, pas de matériel, pas de paquet pour monter dans sa opération avant, on ne va pas recevoir. Non, prise en charge malade, surtout, nous disons urgence, urgence, c'est un bagage qui est important dans l'urgence, c'est délai de prise en charge là. Nous avons là, mettre au couchant dans l'hôpital là, nous faisons là, pour chercher malade, monter, descendre et pour gâter un bon. Alors que, nous sommes capables de l'autre côté, nous sommes capables dans l'hôpital là, ou venir même côté à tout, nous tout recevoir, côté recevoir, sans opération, tout compte, nous tout menons, et puis tout bagage est fait et sauver la vous. Mais pendant nous, dans le moment de là, est-ce que ça arrive par hasard? Nous recevoir les gens qui sont victimes dans le carnaval pendant la fête? Non, nous ne recevons pas les gens qui sont victimes dans le carnaval. Ah, ok. Si vous avez un message qui a fait passer, bon, le message qui a fait passer, c'est que nous avons demandé l'État central là. Qui prend conscience. Vous jouez sous l'État santé pays. Je veux dire, il y a un groupe de jeunes médecins qui dévouent de vous servir le pays. Maintenant, il y a revendiqué des choses qui sont normales. Ok, il y a revendiqué meilleures conditions de salaire, qui c'est 55 000 gouttes par mois, qui pas représenté un yen, je ne veux dire. Ok, je ne veux dire 55 000 gouttes, pas représenté un yen. Ok, et deuxièmement, pencher sous état condition l'hôpital. Ok, il n'est pas normal pour que l'hôpital n'ait pas qu'à gagner courant. Il n'est pas normal pour que l'hôpital n'ait pas qu'à gagner de l'eau. Il n'est pas normal pour que les résidents, qui fonctionnent dans l'hôpital, pas qu'à jouer au café pour manger, pas qu'à dormir dans une chambre normale, maïgouin, rat.
Là, vous faites garde pas une bleu ou bien, n'est pas normal. Et je dis à la revendication, non, c'est ça que lui. Et n'a prêté camper jusqu'au bout, jusqu'à ce que le ministère de la Santé publique, jusqu'à ce que le ministère finance, jusqu'à ce que primature pense sous ce problème ça que n'a revendiqué je dis à lui. Avant, c'était 55 000. Nous avons demandé 55 000 gouttes, mais avant, comment le dire? Avant, il était 12 500 gouttes. 12 500 gouttes là, c'était 15 000 gouttes. Je prends frais sur lui. Moi, je ne comprends pas comment faire comme si vous avez un frais de fonctionnement, après ça, pour prendre taxe sur lui, pour retirer la donne. Et là, vous calculez, je vous dis, combien vous avez payé, qui c'est 12 500 gouttes là, les avez à peu près 406 gouttes par jour. Imaginez-nous, comment un médecin résident, c'est un médecin qui est licencié et diplômé. Ça veut dire que mon enfant fait 7 ans. Il y a des facultés qui ont 8 ans, lui, après ça, il finit faire des licences, des diplômes, pour aller décider pour son spécialisation. C'est-à-dire qu'un médecin résident, c'est un médecin qui a des responsabilités envers tête, des responsabilités envers famille. Comment on comprend pour un nègre dans le niveau ça là? Okay? Après toute année d'études, pour si maman me relève, lui dit que je suis malade, ce n'est pas un bon confort pour mon 2000 gouttes, je ne suis pas capable. Si mon partenaire qui a un problème, je ne suis pas capable de faire ça. Il y a des difficultés qui sont pas un bon confrère qui pourtant nous n'est pas capable. Parce qu'il y a plus de 406 gouttes par jour. Et qui nous dit non, on n'est pas capable de faire ça. Mais est-ce que c'est ça qui fait un pile docteur arriver à faire clinique par eux parce que l'hôpital va payer? Est-ce que c'est ça qui t'a causé ça? Clinique, la réalité, c'est que pour fonctionner dans l'hôpital public, il faut qu'on nomme. Il faut qu'on nomme. C'est-à-dire que si le docteur n'a pas nommé, à ce moment-là, il est capable. Parce que pas oublier, médecin, c'est une profession comme ce qui est libérale. Okay? Ça veut dire que ça fait propre tête au travail. Et qu'on a un seul boss, un seul par contre, c'est client. Okay? C'est ça que ça. C'est pas parce que comme c'est que il y a un résident, ou bien médecin d'ailleurs. Et ça a les médecins, j'ai médecin pas même avec ça les résidents. Ok, il n'y a pas même moitié dans ça que vous avez mis service. Il n'y a pas même moitié même de ça que vous avez mis service. D'accord, merci. Moi, non, bah, c'est des réformes, c'est résident 3, service orthopédique, tout ma gloire, je vous en général. D'accord, merci. Frappé, yo, Jésus-Christ, frappé! Eh bien, t'as semblé hier, n'est-ce pas, t'es dans un voyage de la mer. Gen qui dit son attaque qui t'a pral faire, gen qui dit gen balle qui t'a tiré. Bon, nous pas gen tout détail ça. L'essentiel, gon bagay qui passe sous la mer. Gon information qui fait comprendre que, chaloup n'est-ce pas, t'es sous l'y a probablement ou pas maîtriser le bien. T'as semblé que, chauffeur qui habitue mener chaloupe ça li gen une sorte de est-ce que me te ka di code pour chauffeur à même pour le reconnaître li semblait nèg yo pas ka joindre code ça nan frappé devant dash la frappé bagay et puis c'est cadé ou gardé ouais du feu comment se prend ça son première version deuxième version hein ta gen coup de balle qui t'a tiré zone la fito. Et dans coup de balle qui a tiré, il y a un cartouche qui a éclaté le moteur sous la mer. Et puis, sortant de là, c'est du feu qui prend. Information que j'ai la société, tiré de nous, il n'y a pas rien par rapport à des dégâts qui arrivent. Mais il y a un bail qui est intéressant. Si tu regardes sur l'écran, là, monsieur, c'est une qui boule. Il y a le monsieur Sammy Boy. Monsieur, c'est soldat ISO 5 secondes. Selon l'information qui partage en dedans.
Monsieur, c'est bon soldat 5 secondes. Monsieur, c'est une nègre qui boule. Et soit le gars de monsieur dans boule, après monsieur, non. Mais sauf que tout Paul a décalé. Mais là, ouais, monsieur Grimel, pas ça. Et l'abdouko, pas un problème. Yo dit, monsieur, relé Sami Boy. Monsieur, une soldat Isoyo, c'est une nègre qui boule. Pendant que vous avez boule, vous avez commencé à connaître les douleurs. Vous n'avez pas de jambes connaître les douleurs. Nèg yo consacre les douleurs. Côté nèg yo. Qui l'hôpital? Oh. Va mourir la base. Oh. Mais l'hôpital. Va mourir. Va mourir. Moi même monsieur net même. Monsieur dit. Va mourir belle boss. Belle boss. Belle boss. Ouais, belle boss dit nèg yo. Et là pour nous rester. Depuis que je prends avant la mourir, je pense, moi pour moi-même, moi pense que nèg ça yo, hein, moi pense que nèg ça yo, nèg dans cou Sami Boy, ou dis-moi si Boy, Sami Boy yo les nèg là mon cher. Moi pense que nèg ça yo pas de compte goulan moi. Moi pense pas de compte goulan moi. Eh bien, bon regardez moi. Et bel boss là, mais ouais pour ces zam bel boss, mais ouais nèg, et parti ba what? Par exemple, ouais là. C'est pas mes Sami Boy ou bien Sim Boy ou bien Sim Boy ou Sami Boy. C'est pas mes monsieur qui là. C'est pour à sop image regardez là. Ça c'est bel boss qui là. Avant là on met qui texte dans zone. Eh monsieur gain qui texte dans zone ni oui. Eh bel boss. Même ils ont moi met monsieur mettez bail dans zone ni oui. On va être chargé. Ne rien les pas fin simple tout. Ne rien les double sim dans ghetto. Attendez bien. Ça c'est zam bel boss qui là qui pointé. Donc monsieur n'a pas demandé monsieur mener l'hôpital. Qui l'hôpital? On a eu kidnappé médecin et pas hier m'a parlé de docteur n'a eu kidnappé. L'hôpital Saint-Luc menace camper tout travail net pour libérer un médecin on a eu kidnappé. Et ben tout signaler pour tout docteur dans Port-au-Prince, faut une vigilance période ça. Et n'a eu souvent au kidnapper docteur pas vous faire payer l'argent non, mais pour aller faire prendre soin malade pour dans ghetto. Attendez bien ça me dit pour tout médecin qui attendent là faut nous vigilant. Parce que grand pile médecin né yo a planifié pour kidnapper pour calba en série de malades soin dans ghetto a yo nèg qui prend balle et cetera au nèg ça yo pas grand ken l'hôpital qui pral prend au vrai té gen démarche pour l'hôpital tabac qui tabac ah ben eh ben gardez pour ou après pat même monsieur c'est vidéo a cruel m'pa ka partager yo t'a bloqué le rapide mais gardez bien ou après c'est pat même monsieur qui décalé tout calé ça. Elle dit, c'est pour monsieur, ouais, côté bail, ti bail, ça, man, son cap, non, chaise, c'est pile pat, comme si pour, à même cap déplucher comme ça. Ouais, c'est pour à te sortir là. C'est monsieur, c'est Sami. C'est monsieur qui là. Sim Boy. Ça le dit que, attendez bien, je pense que c'est pas de compte douleur. Moi, je ne fais pas saisir, moi, écoute, nèg yo. Qui l'hôpital? Va mourir la base! Venez l'habitat! Venez l'habitat! Va mourir! Va mourir! Va mourir! Va mourir! On a que fait me saisir. Moi, je pense que nèg sa yo, comme tout puissant, ou à sous terre, n'importe où prince, dans le pays d'Haïti. Je pense que pas de crâne en douleur. Et nèg yo fait me saisir. On a eu compte douleur. Monsieur dit bel boss, mais l'hôpital, la mourir. Bel boss là c'est dans minoterie nèg ka frappé l'autre bois donc voilà c'est monsieur donc c'est pat men nèg wè décalé net là donc nèg wè qui tout devant bel boss là c'est exactement c'est monsieur qui youn nan soldat iso qui très connu qui très connu ça veut dire que nèg sa yo oh l'éternel pour qui ça bon monsieur toujours sous la mer où ça y soldat ou ça arrivé mais j'en dis non. Si ça nous voit dans vidéo aller plus que ça selon information que me gagne d'ailleurs il y a une femme là-dedans il y a au moins deux femmes qui périt tout parce que t'as semblé gagne qui était dans l'eau et n'a demandé la marine haïtienne et monde qui gère question là mais bon si au cas à pointer et faut ta checker tout parce que t'as semblé gagne qui était dans l'eau tout parce que information que nous joignent non seulement nèg ça yo que ou est dans vidéo mais t'as semblé gagne l'autre nèg qui était en bas de l'eau gagne l'autre monde encore qui victime dans car gagne plus que ça n'a pas gagne dans vidéo. L'éternel frappe yo. Ou son jeyen t'a parlé de question colonel à un l'autre nèg qui t'a annoncé programme que ou pral fè kay général Bogi qui son chef gang iso placé dans Titan. Bon, t'assemblé nèg yo te toujours sous programme yo.
C'est plusieurs qui ont dit pour garantir réaliser. Bon, par contre. Cependant, ça fait quelque temps que je te dis non. Parce que l'homme bonne information, c'est pas comme si sensation, folie parler, voyer monter. C'est pas ça la réalité. Moi, je perds du temps, parfois je perds du nuit pour me chercher information pour nous. Avec un pile risque que ça gagne là-dedans. Mais c'est pour bien nous parler, non? Depuis le nègre prend malin dans le cabaret, moi signaler ça ici. Depuis avant malin, nègre descend, il a frappé dans Simonet. Moi, je viens ici à me dire pays. Mais ça qu'a préparé là, sous ce matelas, sous cabaret, parce que nègre a une intention pour prendre Simonet parce que ça crivé. T'es gagné en contact nèg yo fait gon chef gang Simonet qui gagne alliance qui gagne contact en série de Jamaïcains et c'est là nèg yo fait deal cocaïne yo fait deal zam sous la mer et baba e kounia non depuis même côté me gagne information hein? Moi partager la police moi partager ici dans émission tout pays a pas gagne qu'en avancer de faire tout ça au contraire au lieu yo tacler nèg yo Nego vin prend dimension pito, alors que dans l'époque ça, Nego pot ko vraiment allié ISO dans niveau ça. Yo kite Nego grandi là. De Simonet, Nego commence à prendre possession sous Maleng, sous cabaret. Kounia ISO vin faire alliance à Jeff, qui c'est chef gang dans Canaran. Ça fait quelques temps, dit nous, ISO, pas presque dans kidnapping encore. Monsieur G, kite zo, za fait kidnapping dans même anneau. C'est même Jean Tilapli. Tilapli pas gérer kidnapping. C'est Bougoy, c'est Kilik qui gère kidnapping, mais pas Tilapli. Ou pas de code baptisant. Tilapli, son boss li, bah, là, j'ai l'autre bagarre administration. Vous comprenez ça, son pays difficile. Mais pour chef kidnapping, c'est Bougoy, c'est Kilik. Eh bien, écoutez. Eh bien, ça fait quelques temps, dit nous, ISO, monsieur, pas gérer dossier kidnapping encore. C'est Mano traité dossier ça, monsieur, c'est sous l'emmerde rete. Monsieur Kounia, ses affaires cocaïne, l'affaire drogue, monsieur a réglé. Kounia, monsieur arrangé, il y a plusieurs chaloupes dans mel. Non seulement yon volant du rimoun sous l'emmerde, yon détourné l'autre chaloupe, et yon utilisé, yon transformé chaloupe par yon même en façon pour si la police attaque yon pour yon arrive yon. Dans la bataille qui gagne la fito avec gros nèg yo en bas, beau sang, etc., l'autre gros chabrak yo. Et bien, bah, ça a été vu dans une crasse mélangée. Et la société. Biwa bien bonheur. Ouais, yo travail, mais kounia avec un peu de difficulté. Depuis le fait, il y a parfois argent pour arriver, même virer, quand on voit le chita, il a fait toute journée en net. Même le fait, il va le mal depuis. Parce que c'est pas tellement complet, mon nom envahit, on ne peut même pas soulever le vieux vocal. Non, mais vraiment. Madame Claudine, pour ton rectification, vous m'avez dit, mais $740 ici. Eh bien, Madame Claudine, oui, c'est ça l'État. C'est ça l'État à reconnaître. Mais, il y a des gens qui payent 5000 gouttes. Ok. Immigration. Ok, merci, Corinton. Donc, c'est un service qui est en bas tutelle et ministère intérieur. Oui, et ministère intérieur. D'accord. En bas tutelle et ministère intérieur. Ok, son direction, service, son directeur, il n'y a pas DG. Merci un peu, Covington. Merci un peu. Ya, tu as l'homme de parler de directeur général immigration et immigration. Donc, son direction de service. Vous comprenez qui est directeur qui parle directeur général. Oui, merci un peu. Ok, alors moi-même, ça, moi-même, surtout, vous l'avez dit. Si nous jouons tout ça comme plainte, nous tendons dans la radio comme responsable. Je ne pas dire nous avons une solution à tout problème, mais au moins réfléchir pour nous si nous sommes capables d'éviter le pire. Par exemple, dans un chemin prend que Mounio qui vient des passeports ou des documents d'identité ou bagage, c'est gros un gros déblosaille. Donc probablement on va me connaître les jours à venir, les bureaux ça vient incapable de répondre avec flux de demandes qui s'est passé. Vous comprenez? Ou par contre, si vous pouvez l'attaquer, si vous pouvez faire manifestation, si vous pouvez dans le caoutchouc devant le bureau, ou pas si vous pouvez prendre un emploi possible. Ou pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça, moi-même, je pense, nous t'adouer,
réfléchir pour l'éviter. Pour moi même, dernière étape dans la résolution du problème, c'est Mounio. Il n'est pas capable Mounio en première position. L'homme dit Mounio, Mounio vient de service sous Jean ou Ordonné ou sous Jean. Parce que bon, le système n'est pas passé. Les Haïtiens, voyage ou bien baron dans l'autre pays. Yo gens ba yo fait yo pa accommoder bon j'ai système nan yé bon j'ai système nan monter bon j'ai système nan configurer mon ta obligé c'est soit le fait ça au monde ouvert sinon pas de service là il t'a obligé mais si système n'a fonctionné en désordre côté son monde pour aller son monde qui vous vienne pour faut ba ou comme côté ce bon moyen c'est normal a toujours des désordre faut filer rentrer et qu'on soit qu'à fond passeport c'est normal c'est policier qui vient qui prend mon pas ou bien c'est sécurité espace là qui sorti là qui va prendre mon pas ou bien bon quatre qui distribue un tel DP avant un tel bail plus score obligé faire un tel passer si c'est comme ça il y a toujours gain des zones oui parce que mon n'a pas accepté lui même il perd une nuit lui il vient dormir là et puis pas rentrer n'a pas façon lui même quand même pour faut filer l'école n'a pas le d'institution les services immigration et nous dit lui chaque employé ou bien bien soupçon que employé yo chaque gagne en agence et est-ce que vous y a même comme citoyen qui besoin service là capable victime parce que employé a pas comprendre que là pour le servir il profiter de position pour le bail service là pour la servir tête au détriment de moi-même parce que m'a regardé qui ça s'est demandé pour un petit monde fait passeport. Alors, de manière générale, mais là pour un petit monde, ou al mener dans ligne, pour un petit monde bataille, pour kembe et petit monde, pour faire une journée avec lui jusqu'à ce que le jeune passeport. Donc, ça n'est pas nécessaire. Maintenant, qu'il y a, ça fait longtemps que nous avons dénoncé ça. Et nous sommes obligés de retourner sous lit en raison de quantité de plaintes que nous recevons. Au contraire, ça fait là, ça distrait nous un peu. Il y a deux problèmes qui sont beaucoup plus graves là. Passer là, mais nous sommes obligés de camper sur le problème ça pour nous parler sur le problème passeport. Maintenant, employé immigration qui est impliqué dans des autres, ça pas chef tête yo et pas travailler avec yo un responsable. D'ailleurs, responsable yo pas communiqué sous parler avec n'importe qui. Il y a expliqué que la simple oui et yo a tout. Plainte ça yo même avec nous, oui, mais c'est agir avec problème. Non, donc maintenant, vous lire. Faut nous responsabiliser mounio par rapport à situation à chiffre ou bien par rapport à situation qui est au niveau de service immigration. Plein ça yo déposé, nous joignons yo, nous dénoncer yo et jusqu'à présent pas jamais rien qui fait pour résoudre problème. Nan koulian, qui côté problème nan yé? Pour qui ça problème ça arrivé dans niveau ça là jodi a nous dit que pas de gain décision qui prend. Je pense que tu as fait un effort à un moment donné pour améliorer la situation. Mais à mesure que tu as gagné demande passeport dans les gens, tu as commencé depuis sous Chili et vaguement qui prend le Brésil. Donc, pas jamais gagné une décision que tu prends qui est appropriée, sinon que je ne dis pas ta privé là. Donc, Koulia là, ça qu'a fait sous pression mon yo qui besoin passeport. Petit effort qu'a fait. Mon impression que c'est improvisé. Il y avait improvisé chaque ça essayer, il pas bail résultat. Par exemple, ouais, yo essayer font gens pour yo retirer policier yo de pilote yo. Ouais, yo côté. Mais yo dit mi pas valer. Mais dans niveau qui bon. Yo pas valer Delma 33 tout. Mais on police c'est gros bousculade. On police qu'a fait beurre au côté là, pas dire. C'est gros bousculade tout qui gagne. C'est gros bousculade tout qui gagne dans Delma 33. Oui, dans Delma 33. Donc mais bon là uniquement pour policier. Mais moi en résumé même ça me dit c'est que c'est pas employé immigration, c'est moun kap dirige service là qui est responsable. OK? Donc c'est moun kap dirige service là, c'est yo responsable que bah là comme ça. Donc si nous pas prendre disposition qui s'impose pour résoudre c'est que nous complices. Bon, et même d'avoir essayé faire quelques coups de fil, il est capable de jouer une information. Bon, il y a un responsable qui dit que pas oublier question passeport, donc c'est technologie. Donc, il était même envisagé de retirer l'espace de production à la LU pour le mettre de l'autre côté. Mais il n'est pas capable de faire comme ça. Et ensuite, il y a toute zone pas accessible.
Ouais, on zone responsable dit que était prévoit à le mettre mais pas capable à le mettre parce que c'est pas bon. Ensuite, yo dit que yo travaille 16 heures par jour. Ouais, malgré ça, yo pas capable répondre avec quantité de monde là. Il dit moi tout que il y a un contrat qui est en passé et pour que capable augmenter capacité de production yo, parce que il y a équipement là, faut que une licence pour capable commander. Ensuite, il y a une question maintenance pour faire dans le système non. Il dit des fois mon yo pas même quitter carburant rentrer dans l'espace. Ouais. Faut que yo font gens pour veiller faux documents parce que yo dit qu'un pile monde qui essayer passer sous yo dans moment ça. Donc faut prendre pile précaution pour que yo pas ti minimum crédibilité qui ont été bay yo gagne pour document passeport noir pour que pas perdre. Donc il faut que vous prenez pile. Bon c'est international. Même gens ouais dans DCPJ et en tout cas dans appareil qui fait le marron c'est logiciel comme d'arrelel qui fait question empreinte là pour c'est le pour ça ça gagne 2 ans pas payer. Ouais, c'est ça que fait dans dit couper là c'est l'état pas payé. Ouais. Qui fait que yo coupé le yo même mais yo dit c'est en panne mais il y a des monde qui dit c'est coupé ou coupé le tout carrément parce que l'état pas payé donc ça veut dire gagne licence pour gagner pour ça et yo dit il faut que yo faire un peu l'attention avec faux documents mon a venir avec yo pendant un moment ça parce que le fait que gagne un peu le monde cap débarquer donc gagne monde cap profiter venir avec des faux documents donc faut prendre toute précaution ça donc responsable dit gagne démarche cap faite pour que yo capable augmenter équipement yo donc il était temps pour il a besoin d'un deuxième pour desservir ou bien pour chercher un espace dans un carrière un plus gros espace pour permettre non seulement gagner plus machines qui rentrent pour desservir et faciliter les bureau échelon fermé oui ça passe pas il y a deux bagages pour les gens qui viennent demander des pièces, qui viennent des documents, ils sont très remontés comme responsables. Il y a qui viennent faire que l'employé vient exiger des gens qui sont plus haut niveau, de meilleures conditions de travail pour être capable de répondre avec deux. Un employé qui est en grève hein? Non, pas en grève. Il y a deux niveaux là-dedans. En premier niveau, c'est les gens qui ont un employé qui est en pression. Ok. Vous comprenez pour qu'il y ait un service. Des pièces, il y a. Et l'employé lui-même, il y a des difficultés. Il parle de conditions de travail, il parle de. Machine, une seule machine qui gagne et son machine qui désuète. T'as raison, on va arriver à même. C'est presque le même cas pour vous. Qui parle, qui avait dit qu'il y a une incapacité, non seulement pour recevoir, mais pour livrer. Vous comprenez? On parle de pièces d'identité d'une façon générale. Vous comprenez? Pas même lié information pour question de document de voyage, des passeports. Vous comprenez? Donc, il vient de faire que vous fermez jusqu'à nouvel ordre. Là, moi-même, ça me voulait. Gagner comme conclusion, c'est pas imaginer une situation où on peut gagner des mondes qui ont une série de centres de livraison ou bien qui ont une série de bureaux immigration et immigration. Dans l'autre côté de pays, qui n'a pas gagné une pièce et qui tombe faire des blousailles. Parce que si tu fais vos blousailles, vous mettez ça, vous vous faites vous faire. Vous la fumez. Bah, on se comprend. Et alors, bon, sauf que je me fais confiance, qui fait me connaître, gagner 8 machines la police qui débarquent plein monde. Et puis, les policiers, je dis que c'est le monde pas yo, ils viennent faire passeport pour eux. Je vais qui débarquent dans ta balle, dans l'immigration dans ta balle, il y a 8 machines police qui débarquent, ils ont plein monde, et puis les policiers disent, ils viennent faire passeport pour le monde pas yo. Alors ce que je gagne dès ma 33, vous allez si vous êtes formé un pochou, vous allez ensemble avec vous faire passeport. Mais vous avez marché dans tout le monde. Même c'est que son problème qui méritait gérer dans le plus haut niveau, l'État. Ouais. Qu'est-ce qui est mis intérieur pour Ariel, oui, son problème pour gérer dans le plus haut niveau l'État. Okay. Pas bien que l'immigration, pas en direction générale. Son service. Ouais, son service. Donc, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mm-hmm. Donc, le service d'agent directeur dans la tête. Li. C'est toujours monsieur qui est en chinois Joseph Chan Chouli. Monsieur qui est là. Moi, je dis que c'est faux, pas qu'il y a 8 machines. Bon, par contre, il faut pas là. Moi, je bat là tout. C'est une information qui est sur toute réserve. Guerrier, on met ça, je vous dis que vous ne pouvez pas partager la voix.
Ok. En tout cas, après, il y a une pile réaction. Bon côté et population, bon côté citoyen. Vous comprenez? Il y a un monde qui dit lui-même, madame, ne finit pas, et puis l'argent. Jusqu'à ce qu'il y ait un passeport. Tout l'argent, on va dire libre. Je vous demande 1000 dollars pour excès d'achat, il vous demande 1000 dollars pour le dominer la cour, 1000 dollars pour le petit camp, il fait pas tout comme il fait tout le bail jusqu'à vous avez le passeport. Hier, moi, allé dans Delma 31, policier a bâillé mon coup de casse dans la tête. Ok, regardez là. Moi, j'ai un cadre dans le ministère intérieur, merci madame. Il y a un service immigration, c'est une direction technique. Ok. Direction technique au niveau du ministère. Son cadre Guy Dimza, merci beaucoup madame. Mm-hmm. Ok, Zami Sadi, Delma 33, dans le commissariat. C'est parce que les obéis ont policiers en 4, les venus avec 6 moun. Ok, les ça, opérateur a 6 moun n'a fait avant les relais et yon l'autre moun. Comme ça, les policiers eux-mêmes qui ont créé problème là, et puis il faut que vous ayez original pièce sur. Comment vous dites que vous n'avez pas en fonction, ça fait longtemps, il demande pension, ça son cadre. Ça son cadre dans le ministère intérieur, c'est l'ingénieur Lambert qui a géré tout le bagage. Ok. Pas quelqu'un de titre là. Officieusement. C'est l'ingénieur Lambert qui a géré tout le bagage. C'est le directeur technologie de l'information et de communication. En là, ok. C'est directeur Lambert, ingénieur Lambert. Mais depuis les Tchounchou, il était là. C'est monsieur qui te fait. Oui, parce que les comptes système là, on est là de longtemps. Monsieur t'a demandé retraite, oui. Il était écrit ministre là sur ça. Il a dit, monsieur, là, ok. Ok. Okay. Comme d'apprendre vous. Oui, bon apprend les amis ça, qui lui-même a expliqué comment la vivre situation ça. Alors, citoyen, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous, M. Dessel, nous, tout qui n'a pas là, nous souhaitons vous de protéger, non, parce que Jean-Baptiste a payé un problème. M. Dessel, moi, j'ai 3 semaines depuis moi-même, ma pointe de sang, dans Delma 31, avec une petite fille qui a 22 ans, qui est en deuxième année, qui a été créée dans le cours anglais, ça dit, tout le monde, commencé à bagarre sur lui, et je n'ai pas de monde qui a respecté le monde. Hier après-midi, petit monde qui était là à la 2h, à maman d'aller dans Delma 31 pour voir si elle fait 4 là. Vraiment, les arrivés, ils ont entré en dedans. Entrez, M. Diesel, les ont entré, ils n'ont pas de problème vraiment. Yoshita, Boyzini, vers 6h30, ils ne parlent pas, ils disent, ok, pas de problème, nous mettons les nous. Après ça, ils ont tourné. Ils ont tourné, ils ont tourné avec près de 2h.